Depuis 13 ans, un village sportif d'hiver s'est installé à Torcy. Au programme durant ce mois de février, ski, patinoire et luge. Donc le but du jeu, c'est de rendre accessible à tous les franciliens le ski, la luge et la patinoire pendant les vacances de février. Donc la région Île-de-France souhaite mettre en place ce projet et l'UCPA y répond dans sa démarche de rendre le sport accessible à tous. Le village est financé par la région Île-de-France et géré par l'UCPA qui emploie pour l'occasion une quinzaine de salariés. Des chaussures au ski, ici tout est prévu à moindre coût pour seulement 5 euros pour une heure, avec les conseils qui vont avec. Comme conseil, on leur demande au début de marcher, après de marcher en canard, donc de glisser les pieds sur les côtés. Ensuite on leur apprend à défaire les skis et ensuite on leur fait 3 descentes sur 3 niveaux différents. Comment ça se passe ? Bah, en fait tu te mets comme ça sur la luge. Mm-hmm. Avec une piste de ski et de luge grande de 900 m², tout le monde y trouve son bonheur. Si certains ont des facilités, pour d'autres, être sur des skis pour la première fois n'est pas évident. Mais les sensations fortes sont au rendez-vous. Non, j'ai pas eu trop peur, sauf qu'à un moment, j'ai ressenti que c'était comme si je n'arrivais pas à me contrôler. Mais à la fin, ça a été, j'ai réussi un petit peu. De nombreuses familles venues de toute la région profitent de ce petit coin de montagne à l'est de Paris. Le village est ouvert toute la semaine de 10h à 19h, avis aux amateurs.